Faut-il que j'allaite mon enfant? Quel lait dois-je choisir? À qui dois-je m'adresser? Mon pharmacien? Mon gynécologue? Une sage-femme? Les questions sont nombreuses pour les futurs et jeunes parents. Et si l'allaitement est recommandé par l'OMS, certaines mères ne veulent ou ne peuvent pas allaiter. Il faut donc acheter. Mais avec plus de 200 références de lait sur le marché, il est très difficile de choisir le bon pour son enfant. Il y a 10 ans, Fabrice Bordas, alors étudiant en pharmacie, a eu l'idée de créer une application permettant aux jeunes mamans de bien choisir leur lait. Rejoint par Rémi Charazac quelques années plus tard, ces deux pharmaciens ont créé la société Materlait en 2017 en Limousin. Materlait aujourd'hui est une entreprise qui a pour but de mettre à disposition gratuitement une application auprès du grand public. C'est ni plus ni moins qu'un service gratuit qui va permettre aux mamans, aux jeunes mamans, de trouver le lait le mieux adapté à leur enfant à un moment T de leur développement et de leur croissance. Alors comment l'entreprise peut-elle répondre aux interrogations des parents concernant le lait infantile? Quand j'étais étudiant, j'avais une frustration récurrente de la part de la maman qui me demandait un lait et j'étais démuni. Je ne savais pas quel était le lait le plus adapté. Tous les laits ne sont pas forcément adaptés à un enfant. Un enfant peut avoir des besoins en fonction de son poids, de sa taille, de son âge, qui sont différents qu'un enfant qui a le même âge mais qui n'a pas forcément les mêmes données physiologiques. Donc chaque lait est différent, chaque enfant l'est aussi. Arrive le moment où on se pose la question, quel est le lait qui conviendra le mieux à mon enfant? Aujourd'hui, sur les 200 références de lait qui sont présentes sur le marché, il faut savoir qu'une pharmacie moyenne possède environ 10 références dans son stock. Une pharmacie de taille importante est en capacité d'avoir une trentaine de références dans son système de stockage, mais aujourd'hui, personne n'est en capacité d'avoir les 200 références, toujours par manque de place. On a une réelle problématique lors de la demande des parents de la personnalisation du lait. On est démuni en termes de connaissances et de compétences sur chaque composition pour déterminer le lait le plus adapté. Donc on en a fait le constat en pharmacie, on a vu le constat autour de nous, on le voit dans les médias, on a interviewé une sage-femme qui dans le cadre de son métier, si vous voulez, voit des jeunes mamans avant et après accouchement. On a quand même fait beaucoup de salons du bébé, on a rencontré les mamans au niveau des maternités. Aujourd'hui, on sait d'après toutes les études qu'on a portées que Materlait répond très clairement à une frustration quotidienne de plus de 75% des mamans en France. Jessica est enceinte de 6 mois. Elle commence déjà à s'interroger sur l'allaitement de son futur bébé. Comment choisir le lait, c'est une bonne question, je ne sais pas. Je suis un peu dans le flou, j'essaye de voir si je peux allaiter dans un premier temps moi-même et puis après savoir si je choisirai un lait pour adapter pour mon enfant. Mais pour correctement choisir son lait, elle ne sait pas vraiment à qui s'adresser. J'attendais effectivement que les médecins ou les sages-femmes m'en parlent pour pouvoir choisir ensuite mon lait. Mais comme ils estiment que c'est à la personne, à la mère de choisir, ils ne donnent pas forcément leur avis ou ils conseillent bien sûr, mais ils ne préfèrent pas donner leur avis parce que c'est vraiment à la mère de choisir. J'ai pas eu de formation et à vrai dire, on ne m'a pas beaucoup renseigné sur ça. J'ai pas encore l'enfant avec moi, mais oui, effectivement, j'ai des craintes sur est-ce qu'il va pouvoir le boire, est-ce qu'il va pas faire des coliques, est-ce qu'il va l'accepter comme il faut. Materlait est une application gratuite qui va permettre aux mamans de choisir le bon lait en fonction des besoins du bébé, qui varie avec l'âge. Par Materlait, aujourd'hui, on est en mesure de proposer un lait qui, en fonction des données scientifiques, des besoins nutritionnels et physiologiques de l'enfant, de proposer le lait qui sera le mieux adapté. Tout l'intérêt de Materlait, c'était de créer un algorithme qui permet, en fonction de l'âge, de la taille, du poids de l'enfant, des antécédents familiaux, mais également des pathologies instantanées. Tous ces facteurs-là font que Materlait est en capacité de vous donner les 5 laits les plus adaptés à un instant T. Le but de Materlait, c'est de le positionner comme un acteur de santé. Il va y avoir 2 accès possibles. Un pour les professionnels de santé qui auront un code déterminé. Deuxième chose, il va y avoir un accès donc pour le public, en règle générale. Une fois qu'il rentre sur cet accès-là, il faut qu'il donne donc l'âge, le poids et la taille de l'enfant. Au sein de cette application, il n'y aura pas que le moteur de recherche déterminant le lait infantile le plus adapté. Il y aura également des services associés, un carnet de santé dématérialisé, des forums, des centres d'échange, d'actualité. Le but étant très clairement de donner de l'information aux futurs parents qui en manquent cruellement aujourd'hui. Le but de Materlait n'est pas de favoriser une marque ou une autre. L'application souhaite rester neutre. Aujourd'hui, chaque laboratoire va travailler avec Materlait, mais aucun de ces acteurs-là ne seront
au capital de la société. Donc ça, c'est une chose très importante pour nous, parce que du coup, il n'y aura pas d'aspect commercial à travers le choix et la détermination du lait. Et on va également créer un comité éthique avec d'autres professionnels de santé qui vont nous accompagner, que ce soit la sage-femme, que ce soit un médecin généraliste ou un pédiatre. Materlait est innovateur et unique en France, et l'entreprise dispose de brevets sécurisés. On a un brevet qui est déposé sur notre marque, notre baseline, sur le logo en lui-même, et nous avons aussi sécurisé un certain nombre de choses, c'est-à-dire que l'algorithme sur lequel nous travaillons et qui nous permet aujourd'hui de sélectionner un lait qui correspond à votre enfant est sécurisé par un brevet lui aussi. On a aussi eu l'idée de mettre en place, par le biais de l'application, un système d'alerte en temps réel qui nous permette de savoir, en fonction de la consommation moyenne d'un enfant, à partir de quel moment il va falloir qu'on pense à recommander une boîte de lait. Ça, c'est un constat qu'on a fait également au comptoir. Combien de mamans un samedi soir à 18h tombent en panne d'une boîte de lait? Et un samedi soir à 18h, c'est très compliqué, comme un dimanche. Avec Materlait, on commande pour une livraison dans les 24h maximum. Et pour créer son application, Materlait est en partenariat avec une autre entreprise de la région, Celios Conseil, basée à Limoges. On a été accompagné sur la partie informatique avec des aides donc de la région, et c'est le groupe Celios qui nous accompagne dans la création de l'application et du site internet. Il faut savoir que ça fait quand même 2 ans qu'on est sur la création de l'application, parce que cette dernière nécessite à la fois une protection des données de santé, mais nécessite également de multiples échanges à travers les différents acteurs que vont être le pharmacien d'officine, le consommateur, et la plateforme logistique. Alors nous allons amener toute l'infrastructure des systèmes d'information nécessaires dans le projet et le développement de la plateforme en elle-même, une plateforme web et mobile pour pouvoir gérer tous les tenants et les aboutissants autour du lait infantile. Il faut qu'on soit présent sur tous les supports de manière à pouvoir offrir le service, tous les services autour du projet. Et ces services seront bientôt accessibles aux jeunes parents. L'application devrait être disponible début 2020.